Le grand défi de 2019, ce sera d'entreprendre. Que chacun aille de l'avant. L'entreprise, bien sûr, qui est une merveilleuse manière d'entreprendre, mais aussi chacun dans tous ses domaines d'intervention, dans sa vie, dans notre collectif national, bouger, changer, faire avancer les choses. Pour moi, ce sera le grand défi de 2019. Il faut continuer à avancer. Une entreprise inclusive et collaborative, c'est une entreprise qui donne du sens. Que ce soit un sens collectif, pour savoir où nous allons collectivement au sein de l'entreprise, mais aussi un sens individuel. Il faut que le travail de chacun, la part de chacun, ait du sens pour chaque collaborateur individuellement. Donc un sens collectif et un sens individuel. C'est aussi une entreprise où le manager devient un coach, où il est là pour développer les personnes, pour les faire grandir, toujours dans ce sens collectif pour aboutir ou faire aboutir le projet dans lequel auquel on doit tous participer. Alors les grands défis de 2019 et des années qui viennent d'ailleurs, hein, parce que les clés du succès elles sont sur le long terme, c'est avant tout trois choses je pense. C'est la responsabilisation. Donner des responsabilités aux gens et leur permettre d'assumer leurs choix dans le collectif. Deuxièmement, c'est la confiance. Faire confiance, mais aussi donner confiance grâce au sens dont je parlais tout à l'heure. Enfin, je pense que c'est important, la bienveillance. Une entreprise inclusive, elle doit être bienveillante pour chacun.